En fait, il y a deux choses. Il y a ce qui se fait et ce qui est dans l'air du temps, parce qu'il y a quand même des thématiques. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que quels que soient les pays, tu retrouves des thématiques de l'air du moment, tu vois, sur la femme. Sur là, on a beaucoup de films aussi autour de l'homosexualité aussi, traités alors de façon totalement et sur le désir et traités de façon totalement inattendue et totalement différente et de pays différents. Donc tu vois, c'est pas, je pense à Switch, qui est le film d'une jeune femme belge et ou qui traite par exemple de justement le phénomène d'hermaphrodite. Et au niveau de l'adolescence, donc le questionnement du genre. Et à chaque fois qu'il y a le désir qui arrive, elle suit plusieurs couples. Au moment, avant de passer à l'acte sexuel, tu vois, dont on est dans les préliminaires en fait, chacun permute, un des deux permute et bascule dans le corps. Donc une nana qui a des beaux nichons se découvre avec une putain de bite énorme et se dit putain mais c'est quoi cette bite? Et ce qui est intéressant c'est quoi? Et inversement, et le film traite de plein de couples et ce qui est hallucinant c'est que le casting est incroyable parce que la fille, celle qui joue la fille ou celui qui bascule en homme, c'est très proche dans les traits. Et ce qui est intéressant c'est finalement aujourd'hui, la question du genre est au cœur de beaucoup des films et chacun va le traiter de façon différente. On a un Espagnol qui, lui, le traite de l'homosexualité de façon, lui, vraiment science-fiction. À la fin, un jeune homme fait sa première expérience homosexuelle avec quelqu'un qui lui a plus l'habitude, qui est jeune aussi, mais qui assume son homosexualité. Lui ne l'assume pas. Et en fait, Estigma, il s'appelle ce film. Et il bascule, lui, après avoir couché avec cet homme pour la première fois, il a des hallucinations, il voit des cafards géants, il se voit piqué et il sort de lui des choses et il se transforme peu à peu, ça, on n'arrive pas à la fin, en cette espèce de bestiole qui symbolise finalement la culpabilité qu'il ressent. Et donc ça, c'est dans l'air du temps, tu vois. Et après, il y a ma sensibilité à moi, forcément. C'est-à-dire qu'après, il y a ce que je vis, ce que je recherche, celle de Nicolas, qui n'est pas la même que la mienne, les envies qu'on a et aussi une direction artistique, elle évolue. C'est-à-dire qu'il y a des grandes thématiques, nous, on accorde beaucoup de place depuis la création à l'expérimental, au film surréaliste, au film qui demande des degrés de niveau de lecture un peu différents et au film féminin parce qu'on a beaucoup de films de femmes et c'est pas, tu vois, moi je choisis pas un film parce qu'il est film de femmes mais on se rend compte chaque année parce qu'on regarde pas les réals, quand on regarde les films on en a trop, tu vois, on les regarde et en fait quand on voit ce qu'on regarde, on se rend compte qu'on a quand même pas mal, une bonne proportion de films réalisés par les femmes et je pense que les femmes sont de plus en plus actives par rapport à ça. Et c'est l'air du temps aussi, enfin, tu peux pas savoir, moi je sais par exemple pas du tout quelle sera la 10e édition. Ce que j'ai envie moi c'est de toute façon surprendre en fait, j'aime surprendre toujours et surprendre, questionner, voilà, c'est mes mots à moi.